Qui vivait? Congolais vivant! Vivant! Peuple congolais vivant! Vivant! Peuple congolais vivant! 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 Vous soignez ma kim, ma kim, ma belle. Bâtir le siège à Ophélé. Nous sommes bons au tête au siège à Ophélé. Parlement, 20 000 déjà. Tout le monde est député à l'hôtel. Tout le monde est député
Il y a la veste à Sika, ils sont tous souffrir. T'as la police, t'es ni police à la dit. Keni à Kala. Ton cinq chef de l'État a dissoudre un parlement. Ce qui est Koyinda et Yinda. Ton dimi d'Agnon. Tu qui pouvoir. Ton dimi Obama, tu qui pouvoir. Pour la États-Unis. Et là, on a un mètre qui Obama, Obama, dans le gangue. Gens qui sont corrompus, qui veulent violer la constitution à chaque temps. Vous avez vu dans quel pays où la justice est dirigée par le parlement? On a trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir légitime, et on a l'autre pouvoir, le pouvoir exécutif. Les trois pouvoirs sont indépendants de l'un et de l'autre. Mais comment vous allez vouloir que le Parlement puisse commencer à nommer les procureurs, puisse commencer à nommer les juges et les magistrats? C'est quasiment impossible. Vous savez, nous aujourd'hui, le peuple, nous sommes venus pour dire non. Cela ne va pas passer. Ici, vous voyez, il n'y a pas de clivage politique. Nous sommes le peuple congolais. La Constitution dit que si il y a des gens qui veulent toucher à la Constitution, nous, les peuples, on peut se prendre en charge pour les mettre hors d'état de nuit. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu de l'eau. Nous sommes venus ici ce matin pour montrer notre amour au Congo. Nous voulons un pays où la justice est libre. Nous voulons un pays où le Parlement est libre. Nous voulons un pays où l'exécutif est libre. Et qu'il y ait la justice d'égalité, la justice d'équité pour tout le monde. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Si eux, ils veulent le sang, on va leur donner. Si eux, ils veulent de mort, on va leur donner. Il faut qu'ils sachent. Vous allez tuer, vous allez prendre des vies et nous ne finirons pas. On restera toujours là. On va renaître, okay. Renaître encore. Je voulais savoir, votre point de vue, ça sera pour la dissolution de l'Assemblée nationale ou bien qu'on laisse les députés continuer leurs travaux? Mais ce sont des députés corrompus. Mon point de vue est que cette Assemblée nationale soit dissoute. Qu'après l'état d'urgence, le président dissout l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas continuer avec ces gens-là, qu'il y ait de nouvelles élections, parce qu'ils vont faire les mêmes choses. Si Obenminak aujourd'hui a donné cette loi, l'autre encore pas donné loi, l'autre encore, et on aura beaucoup de lois, et on serait toujours là, mais on ne veut pas être là, on veut que le pouvoir soit posé. J'ai vu aussi, on a déployé les policiers. Vous serez même à mesure de résister aussi devant la police. Mais que la police sache, nous ne sommes pas ici. La police protège la population. La police ne tire pas sur son peuple. Okay, très bien. La police doit savoir que nous manifestons paisiblement. Nous ne sommes pas venus caillasser. Le parlement, le palais du peuple ici est notre patrimoine. On ne va pas faire du mal, on va pas jeter des pierres au parlement. On ne va pas entrer au parlement pour s'engager. Et la police doit savoir pour ne pas prendre des vies. La police, elle est là pour nous protéger. Je viens d'écouter la chanson chanter Goma député Tika policier. Goma bon, député Tika policier. Que je sache, moi, je n'ai pas encore entendu cette chanson ici. Je n'ai pas encore entendu cette chanson. Je ne sais pas là où vous avez écouté entonner cette chanson ici. Ici, le peuple n'est pas venu pour casser. Ici, le peuple n'est pas venu pour faire autre chose, mais réclamer son droit. Un point d'entrée. Janine Mabunda, ya.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 de Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus, Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia Bandubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historique et réalisation. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent 1 million de dollars dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.